puis dans ces décisions-là, ben, il y aura entre autres une réduction de l'effectif. Et dans ça, ben, tu feras partie de cette réduction-là. Je comprends ça. Écoute, quand j'étais sur le bout de la ligne, j'avais un gros service à te demander. Jeff est malade au bureau, puis on a un voyage d'affaires très important, puis on m'a délégué pour y aller. Tu peux-tu garder Chloé pour 2 semaines? Demande à ta mère de la garder. Puis sinon, ben, t'es assez grande pour se garder toute seule. Ah, merci, je suis grand. Ma mère est seule. Merci beaucoup. Bye. Bye, bye, bye. C'était tough l'entraînement. J'ai fait 30.2 au 50 fly. Hey, je suis capotée. Wow, good job! Ah, c'est Monsieur Poubelle. Elle est pas obligée d'avoir ce job-là sérieux. C'est quoi ça fait qu'il soit concierge? Ben là, tu me laisses. Il y a une job de BS. Chloé, tu sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, BS? Anyway. L'entreprise et de la conjoncture économique générale. La crise est là. L'un qui nous annonçait l'été dernier que le plus dur était passé. Yes, le calendrier des compis est sorti. La prochaine est dans 2 semaines. Ah, puis pas. On pourrait te changer mon forfaitiel. J'ai juste 1000 textos par mois, puis c'est pas de ma faute, là. C'est Ellie qui me texte le temps. Au pire, je peux te savoir un texte qui appelle l'unité? Ouais, toi pis tes textos. Ça commence à faire ton affaire, là. C'est assez, là. C'est sûr, tu t'en fous, c'est pas toi qui paye jamais. Envoyez-vous des lettres, appelez-vous. Je suis pas une bague à piton. Tu me niaises-tu, là? Écoute, Chloé, c'est assez, là. Tes maillots, ton sel, tes cours de conduite, ta natation, ça commence à faire, là. Je te fais tous tes livres, ta mère est pas à la maison, je suis écœuré, là. C'est quoi le rapport avec maman? T'as jamais acheté un char, ça te gosse avec ça? Oui, oui, on va regarder ça pour ton char. Un diplôme à comptabilité financière, c'est intéressant comme candidature. C'est étrange que vous n'ayez pas réussi à vous trouver un emploi depuis le dernier mois. À l'entreprise où je travaillais avant, on m'a proposé un nouveau travail, mais je recherche vraiment quelque chose de plus stimulant, un nouveau défi pour moi. Puis en plus, j'ai avec ma jeune fille à la maison, je veux vraiment prendre soin d'elle. Parfait, on va vous recontacter si on a un poste à vous offrir. Merci. Salut, papa. Salut. Grosse journée aujourd'hui. Mais je courais toute la journée, j'ai pas eu le temps de faire à souper. T'as-tu une idée? Ah, ben on pourrait aller chercher des sushis. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais.
Dis-moi plus jamais ça, c'est-tu clair? C'est toi qui es à ma maison! Mais tu vas me dire, Carlis, qu'est-ce que tu ferais si je serais pas là? Mais t'es jamais là! Je t'ai cœuré. Je t'ai cœuré. Moi, je suis capable d'endurer ça. Moi aussi. T'as jamais fait un genre, ça te casse avec ça? Une de ces mesures-là, c'est de passer à une réduction d'effectifs. Malheureusement, vous faites partie de cette réduction d'effectifs-là. Bon, c'est réglé. Reste plus qu'à faire signer ma lettre. Oui, je suis content, ça a bien été. Une bonne chose de faite. Ça fait plaisir. Si jamais il y a autre chose, n'hésitez pas. C'est sûr, je pense à toi. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est à mon tour. Puis, comment ça s'est passé ton voyage d'affaires? Je suis pas allé. J'ai laissé ma place à un confrère de travail. J'ai décidé de rester avec Chloé. Ça a dû faire plaisir à ta fille, en tout cas. Puis, vous encore bien occupé à job? Ça arrête pas une minute, on a toujours beaucoup de dossiers. Tu dois encore travailler des heures de fou? Non, je passe beaucoup de temps avec Chloé. J'ai décidé de finir à 16 heures tous les jours. Non, non, je vais être prête à recevoir. À prochaine. Hey, Monsieur Guilbeault! Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On n'a pas le temps de trouver le temps long. Toi, au bureau? Ah, nous autres, c'est plus tranquille. Ça me donne du temps à m'occuper de ma fille. Ben, moi et ma conjointe, on aurait besoin de te rencontrer pour nos déclarations. Écoute, je suis dans ma poche, je suis un peu pressé, mais n'hésite pas. À peine au bureau, on prend rendez-vous et on se repart. Merci, bye. Salut, bonne journée. Mais pour l'instant, on a tout notre monde. Si se libère quelque chose, je vous rappelle. Oui, merci. Ça serait très intéressant. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir. J'ai le ventre plein. Il y avait du monde chez Louis, là. Ça paraît les coupons rabais, je suis pas à la poste. Mais tu sais, je suis pas plus fou qu'un autre, hein. Moi, ça aime aussi des coupons rabais. Qu'est-ce que tu fais? T'as ta fille? Oui, monsieur, en plein ça. J'ai la chance d'être bonne de même à natation. Je crée bien mes flous, mais. Pas une scène. Je vais te dire, c'est pas toujours évident, là. C'est pas si simple. Cigarette? Non, merci. Fais-tu beau pareil, hein? Surtout à côté sur un beau truck de même qui a l'air pas mal plus confortable que mon Bessic. Profite-en tant que je l'ai encore. Comment ça, tu vas vendre? Ben écoute, ça consomme beaucoup, puis avec l'essence qui coûte de plus en plus cher, je songe sérieusement à m'acheter une voiture électrique. Voiture électrique? Fuck, tu fais quoi dans la vie? Je suis comptable. Ah, ouais, t'es comptable? À quel endroit? Tu fais l'immeuble pas loin du pont? Peut-être autre immeuble vitré pas loin d'ici, là, que des comptables. J'étais comptable. Oh fuck. Ok, ok. Tu peux garder ça pour toi? T'es le seul à le savoir, s'il te plaît. Ok? On prend ça. Ah, ma fille qui arrive. Parle avec Monsieur Poubelle. Hein? Appelle-le donc pas de même! De quoi tu parlais avec le concierge? On parlait de la vie en général, pourquoi? Vous parliez de la vie. Oui. On ira prendre un café si tu veux. En tout cas. Ah, t'es bien smart. Merci. Merci. Ouais, bye, là. Ouais. Ouais, vous êtes rendu pas mal chumé. Écoute, Chloé. Ça va être à nous maintenant de se parler de la vie. Thank you.